réponse, Matt. Est-ce que tu vois quelque chose d'un peu dramatique, peut-être un peu comique aussi, d'étrange et de bizarre? Alors ouais, mais tu dors comme ça, Valentin? Oh yes. À part aujourd'hui au sein du monde télévisuel et audiovisuel est devenu quelque chose de très compliqué parce qu'on a tendance à facilement catégoriser les gens, à les mettre dans une section particulière ou même à la télé dans un horaire particulier et donc à moins d'avoir une imagination débordante, c'est difficile de sortir un peu des gonds. Il y eut une époque de la télévision où le bizarre résonnait avec les intentions de production et où des œuvres emblématiques représentant des époques ont réussi à se faire une place au sein de cette production pour offrir des divertissements qui sont devenus parfois importants, parfois essentiels et d'autres fois légendaires. On pense forcément à la série d'anthologie La Quatrième Dimension ou plus récemment à une série comme American Horror Story, reposant toutes deux sur des auteurs cherchant à installer un objet audiovisuel et télévisuel à part dans une production où ils se sont fait un nom et ont réussi à se démarquer un peu du reste du petit écran. Et au cœur des années 90, un cinéaste culte qui a décidé d'investir le petit écran nous a livré une série qui, en deux saisons à l'époque, complétée par une troisième dernièrement, a su s'imposer comme non seulement un cinéaste de génie, mais en plus, un monument de série culte. Un monument qui a connu une résurrection, d'ailleurs, le temps d'une dernière saison en forme de revival, une série qui s'est imposée par le biais d'une écriture singulière, d'un univers bizarre et étrange à souhait, et d'un regard sur l'être humain terriblement cher au réalisateur qui a décidé de créer et de mettre en place ce monde. Un monde en perdition. Un monde littéralement fou et rongé par une forme de décadence évidente, un monde qui ne peut trouver dans la raison qu'un nouveau moyen d'atteindre la folie et se contenter ainsi de peu pour s'enfermer dans un carcan sociétal à l'image de leur petite ville, refermée sur elle-même et prête à tout pour sauvegarder ses petits intérêts. Ainsi disparu dans des circonstances bien étranges Laura Palmer, ainsi Cooper commença son enquête dans une ville extrêmement loufoque, et ainsi David Lynch nous plongea dans son univers complètement pété au cœur de sa ville de 51 201 habitants, Twin Peaks. Twin Peaks est une série américaine écrite et produite par Mark Frost qu'on voit plus au petit écran et David Lynch qui est quand même quelqu'un d'assez renommé dans le cinéma. L'histoire, pour essayer de faire simple, ce qui n'est pas une mince affaire, est celle de la petite ville de Twin Peaks qui va voir son quotidien basculer le jour où la jeune Laura Palmer va être retrouvée morte au bord du lac et que l'agent du FBI Cooper va débarquer pour résoudre cette affaire, mais également tenter de comprendre ce qui se passe dans cette ville. Au fil des deux saisons qu'a connu la série, ainsi que du film, un peu à part dans l'univers, Cooper apprendra à découvrir les relations qu'entretiennent chacun de ces êtres humains perchés et allumés afin de découvrir le fin fond de cette mort surprenante, ainsi que de comprendre pourquoi les gens semblent tant bouleversés par la mort de cette jeune étudiante. Et encore, ça c'est qu'à la surface. On peut se rendre compte que la série c'est thriller, drame, comédie, c'est un bordel. L'univers au cinéma de David Lynch est déjà complexe à analyser, regorgeant de métaphores et de possibilités d'interprétation plus ou moins complexes, mais alors là, dans cette série, on atteint un sommet de perché et d'étrange, au cœur d'un monde dense et vaste, où chaque personnage semble représenter à lui seul un regard sur le monde à part entière. Plus on avance dans la complexité de cette série, plus on finit par comprendre que ce qui obsédait Lynch et Frost dans le développement de cette série, c'était avant tout de contempler ce que les hommes et les femmes du monde entier ont de plus difficile à cerner, et ainsi de jouer avec les apparences et de malmener l'esprit du spectateur tout au long d'un parcours dramatique, bouleversant et complexe. Et c'est grâce à ça qu'elle est devenue culte cette série, parce qu'elle est unique en son genre. Et c'est ce qui frappe dès les premières minutes de la saison 1, le côté esthétique de David Lynch, mais aussi le côté serial de Mark Frost. En quelques minutes, l'univers est situé, et les personnages sont annoncés. Là n'est pas la complexité de la série, ce qu'il est, c'est réellement cet aspect bizarre qui entoure la série. Cette sensation que les choses ne se déroulent jamais comme elles le devraient, comme si l'incohérence de ce monde devait donner à ses personnages une légitimité pour agir à contrario du bon sens. D'ailleurs, l'idée d'agir correctement ou justement est constamment évoquée au fil des épisodes, comme une conscience qui chercherait à poser un statut autour des personnages, mais qui laisserait la place à une forme d'inconsistance dramatique, qui permettrait à ces héros de devenir des outils narratifs évolutifs. Ainsi, Lynch et Frost jouent clairement là-dessus, faire un scénario assez simple, mais avec un petit côté étrange qui hante la série. De par cette porte d'entrée, les deux auteurs posent alors une autre complexité qui est assez rapidement évidente pour le spectateur, et qui donne cet aspect bizarre presque jouissif à celui-ci,
les genres ne sont jamais ce qu'ils prétendent être. Dans une valse de tons et de décalage littéralement spontané, Lynch et Frost s'amusent avec les genres et avec les situations, comme pour placer un décalage dramatique par le biais de scènes générant des émotions multiples et variées chez le spectateur, faisant qu'un instant de la série passera du drame glauque vers le comique de situations loufoques pour se diriger ensuite vers un romantisme sirupeux et revenir au glauque de l'enquête. Cela peut laisser perplexe, mais à cette époque, la série était très avant-gardiste et on n'avait pas du tout l'habitude de voir ça au petit écran. Le mélange entre ses tons variants et le style atypique de la série lui permet de gagner en complexité d'analyse et de ne pas simplement laisser le spectateur face à une situation complètement déconcertée, mais de réussir à le divertir d'une manière un peu décalée et épique dans un sens, amenant de la nouveauté, au fil que la série se développe. Cette ambiance assez surprenante permet aux longues scènes parfois pesantes de gagner en cachet et aux instants de flottement de laisser le spectateur chercher à analyser ce qui peut en découdre pour mieux cerner le style unique de Lynch et Frost, se mélangeant ici extrêmement bien aux différents genres que les auteurs invoquent. Cela peut vous rendre perplexe parce que la deuxième partie de la saison 2 va vous surprendre, elle est complètement parodique. Bon, clairement Twin Peaks, c'est un petit peu le fouillis et le spectateur va se perdre et ça peut mettre en péril la série. Cela ne se ressent pas vraiment dans la première saison, qui parvient à placer subtilement l'univers et surtout à ne pas trop sortir de ses propres gonds, en restant classe, déjantée, assez allumée même, mais terriblement intrigante et déroutante, parvenant à créer son propre cocon de création série visuelle. Mais dans la deuxième saison, dès le début, les genres se mélangent brusquement, avec une ouverture de saison d'anthologie. Cela, il n'y a rien à en redire, mais qui s'essouple assez rapidement, ne parvenant pas à maintenir l'aspect pété qu'elle semble vouloir placer comme base créatrice, et cela se ressentira au fil de l'avancement de la série, qui ne fera qu'être de plus en plus brouillon. Et là, Twin Peaks est censé se terminer, et c'est le gros cafouillage parce qu'il reste trop de choses à explorer. Le mélange est souvent source d'envie et d'inventivité, c'est même en cela que l'on reconnaît les grandes œuvres qui marquent leur époque, par une identité qui se démarque du reste et qui s'impose comme une source d'inspiration folle pour les auteurs, et il est clair que sans cette série, une grosse partie du petit écran ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est là que Twin Peaks a joué un rôle important, en étant en quelque sorte tellement maladroite qu'elle en est devenue imparfaite et qu'elle s'est imposée comme un modèle, mais dans le contexte de sa propre création. Cela reste une erreur qui laisse le spectateur sur le banc de touche durant toute une moitié de saison. Donc en gros, c'est beau, mais c'est illogique, c'est bien écrit, mais c'est perché, et là c'est le gros bordel. Et en tant que tel, la série de Frost et Lynch reste un objet bâtard, une sorte d'ovni qui n'a jamais réussi à totalement atterrir sur Terre, si ce n'est en s'écrasant maladroitement sur les écrans de télévision, et en ne parvenant pas à se reconstruire après un débarquement tonitruant dans sa première saison. Une image qui restera collée à la peau de cette série, cette espèce de maladresse contagieuse qui rongera l'univers jusqu'à empêcher le film inspiré de la série d'avoir le moindre intérêt en tant que tel, laissant alors un univers très ouvert pour la suite de ses possibilités, permettant ainsi à celui-ci de revivre prochainement sur le petit écran. Mais à l'avantage, cela va donner quelque chose de fort à la série qui va pouvoir l'emmener de bout en bout. On peut dire que 75% du succès de la série, c'est grâce aux personnages, mais surtout aux acteurs qui les jouent. On sent que bien au-delà de la construction très schématique de celle-ci, bien au-delà de la composition parfois un peu trop étrange des événements, bien au-delà de la simple structure psychologique et analytique de chaque situation, ce sont réellement les héros de cette série qui parviennent à tenir l'intrigue, et qui donnent toute sa saveur à cet univers complètement hors norme, que personne n'ose réellement remettre en cause ou même simplement juger aujourd'hui. Que ce soit ce commissariat peuplé par une myriade de héros qui ne semblent que rarement entretenir un lien concret avec la ville, que ce soit ces riches héritiers imbus de leur propre personne, que ce soit cet agent envoyé sur place sans réellement comprendre sa situation, on se retrouve face à des caractères, face à des positions dramatiques et créatives qui poussent le spectateur à se poser des questions sur les héros, sur leur vie, sur leur avenir. Que ce soit dans les premiers épisodes de la série ou au fur et à mesure, la seule question qu'on se pose c'est « mais où est la limite de Lynch et Frost ?» Dans le loufoque, dans l'absurde, dans la folie ou même la poésie qui habite littéralement chaque scène de cet ensemble complètement unique en son genre, difficile de ne pas y voir une certaine forme de génie. Déconcertant, parfois même répulsif, soyons honnêtes, mais fascinant également, hypnotisant presque, et en ce sens, on ne peut que saluer la puissance de composition que les deux auteurs américains nous offrent de bout en bout de série, allant de la simple petite intrigue amoureuse jusqu'à des épisodes macabres et noirs, en passant par de petites folies dramatiques ou rocambolesques qui apportent à ces personnages un véritable poids, une véritable mesure de ce qui se déroule sous nos yeux. Sans jamais aller dans le décalé, Frost et Lynch choisissent surtout d'appuyer l'absurde dans un retranchement qui nous pousse à voir d'un œil hors norme ce que ces personnages constatent autour et devant eux.
Même si on comprend pas tout, on reste quand même attaché aux personnages. Ils sont attachants. Cela peut sembler fou lorsque l'on s'arrête aux premiers épisodes de la série, tant il est indéniable que tout semble flou, allumé, déjanté et presque incompréhensible, mais plus on avance, plus on s'attache à ces personnages, qu'ils soient manipulateurs, qu'ils soient crédules, qu'ils soient simplement en complet décalage par rapport à la situation, ou dans un questionnement qui les pousse à agir avec impulsivité et non avec logique et clarté. C'est cela qui fait aussi le charme de cette série, qui rend ce tout si unique, si singulier, car aucune autre série ne ressemble à celle de Frost et Lynch, aucun autre univers n'a réussi ne serait-ce qu'à comprendre, cerner, rendre clair un tel fourre-tout dramatique et genré que ce que les deux auteurs américains nous offrent ici. Et franchement, même si l'on peut avoir quelques réticences sur pas mal de points, force est de constater que dans 10, 15 ou 50 ans, on retiendra encore que Twin Peaks a été un moment fort de la télévision américaine et internationale. Un moment qui restera gravé. Cette série est atypique, on se perd très facilement, mais c'est ce qui fait le charme de celle-ci. Comme souvent dans ce genre de récit, il est difficile d'avoir un œil avisé sans connaître la façon dont elle a été créée. Développée comme un univers hors norme, conçue comme un immense long-métrage purement et simplement ancré à fond dans l'univers de David Lynch, c'est une série qui ressemble à l'auteur américain. Elle est détestée par certains, admirée par d'autres, saluée pour sa prise de risque et sa forme assez folle dans son genre. Pour le coup, il s'agit d'une série qui a commencé en 1990 et qui n'a trouvé sa conclusion que 27 ans plus tard, au travers d'un revival salué par une majorité, mais que l'on peut facilement remettre en cause pour autant. C'est un objet où vous, spectateurs, êtes le seul juge de sa puissance ou juste de son côté iconoclaste. Certains d'entre vous y verront un chef-d'œuvre, d'autres ne sembleront y cerner qu'un amas d'idées et de concepts qui pourraient facilement vous rebuter et vous laisser de marbre, et franchement, cela n'étonnera personne, ne vous en faites pas pour ça. Cette série est novatrice, atypique, géniale, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça son retour en 2017 a été l'événement de la décennie. Drame romantique, thriller familial, enquête terrifiante et rocambolesque et aventure humaine hors du commun, il est certain que Frost et Lynch ne se sont jamais simplement dit que Twin Peaks serait une petite enquête policière dans une bourgade au nom évocateur, mais bien un immense objet cinématographique télévisuel hors du commun, qui marquerait son temps et briserait une partie des codes de la télévision, faisant entrer la série dans le monde du cinéma et ouvrant la porte à beaucoup d'objets télévisuels que l'on connaît maintenant très bien aujourd'hui. Comme évoqué en introduction, et pour être tout à fait franc, Twin Peaks a lancé et ouvert une porte immense pour la création audiovisuelle télévisuelle. Celle-ci a littéralement permis au cinéma de prendre un peu possession du petit écran et de la possibilité à de nombreux metteurs en scène de se dire que si le cinéma leur était un peu trop fermé pour mettre en place un univers, ils pourraient se permettre de lui donner la place qu'il mérite sur un petit écran, le temps d'une série qui leur laisserait la possibilité d'explorer et de mettre en scène leurs personnages. Twin Peaks est un monument qu'on peut détester, critiquer ou même adorer, mais ça reste quand même un gros moment de la télé. Ainsi se termine ce nouvel épisode de Off Season. N'hésitez pas à regarder cette série, elle en vaut vraiment le coup, même si c'est pas jusqu'au bout. Puis en attendant, affalez-vous sur le canapé et regardez bien ce que vous voulez.